amie l'attaque complètement what the fuck, elle peut perf. Et vous allez voir que les héros, même sans héros, j'aurais perf, hein, mais juste, j'ai pas que ça à faire, donc je pose les héros pour par respect pour l'adversaire. Voilà. Qui a une vie de bleu à côté, il a une petite tombe qui charge un petit peu. Voilà, si on regarde ton profil, vous pouvez comprendre que j'ai une grosse chance offensive, et deux joueurs par minute, et on va faire ça. Là, je vais acheter le profil, vraiment, les deux, c'est vraiment pas mal en GDC, les deux Raxxon, pour le château de Florent, et voilà, je vais acheter le terrain. Clairement, il est bien, il est excellent. Donc, je vais vous montrer sur le profil du plan. N'hésitez pas à venir nous écrire un mail, à venir discuter si vous souhaitez. Donc vous voyez 1100 trophées. Donc oui, donc HDV9 relativement maxé quand même. Au moins avec des murs, au moins avec des 8 max. Hein. C'est
tête de Vénère quand j'étais à Wii 5. Voilà, c'est même pas la peine de postuler. Donc si vous avez 800 à côté, la porte ce sera en bois. Voilà, donc minimum la 2009, j'ai une taxée, vous avez des huit vraiment maximum, ou tout bien avancé avec des bonnes trucs dans le DVC. Voilà, c'est pas très compliqué. Un DV7, c'est pas simple. Ça dépend. Si vous avez le 2 et que vous sortez très bien avec un joueur 5, vous avez déjà vu des choses de plus qu'un HDV7, même si vous êtes à l'eau 5. Moi j'ai le 7 avec le 7 et je travaille ça. Donc c'est le 2 et le 5. Un minimum de 2 euros. Après, pour les HDV6 et 5, c'est en fonction de la taille du client. Si vous avez un profil qui nous intéresse et qu'on a besoin de vous, on vous prend. Sinon, bah, là vous voyez qu'on est 41. Donc, là, ce serait plutôt les HDV 11, 10, 9 et 8. Voilà. Donc, on va cliquer sur cette vidéo. Ça va faire un vous souhaite ici un excellent week-end, une bonne samedi. Et puis, et bien, à la prochaine. Ciao, ciao.